Shalom, bien-aimé du Seigneur. Je te bénis, mon frère, ma sœur, toi qui me suives maintenant, encore une fois dans notre programme qu'on appelle l'école du Saint-Esprit. Donc, sans plus tarder, je vais prier un peu pour que nous puissions lire un peu la parole. Père, nous te bénissons. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour ces moments qu'on va passer avec mes frères et sœurs à étudier encore une fois ta parole. Père, ma prière est que ton Esprit Saint puisse nous aider à comprendre ta parole. Que ton Esprit puisse nous enseigner quelque chose de nouveau qui est caché dans ce qu'on va lire comme verset dans ta parole. Père, glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pendant ces moments. Que ta parole puisse toucher les vies, puisse changer les vies, puisse transformer les vies de tes enfants. Nous te bénissons, Père Saint, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons lire la parole. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de parler de la vie de Dieu. Donc, on va parler de la vie dédiée dans notre programme de l'école du Saint-Esprit. Donc, on va lire dans le livre de Jean, chapitre 5. Chapitre 5, verset 26. La Bible dit ceci. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. La Bible nous dit que car comme le Père a la vie, comme le Père, le Créateur a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils. Le Fils là qu'on parle ici c'est Jésus-Christ. Donc Dieu le Père a donné la vie, ainsi il a donné la vie. Ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc Dieu a la vie en lui-même et il a donné aussi la vie à son Fils Jésus. Et nous allons encore lire notre verset dans le livre de Jean, chapitre Jean toujours, chapitre 10, le verset 10, où il dit, notre Seigneur Jésus-Christ dit ceci, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc, Jésus-Christ, lui, il est venu pour nous donner la vie. Et dans Jean chapitre 5, verset 26, nous disent, la Bible nous dit, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné aussi au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et le Fils, là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est venu, il nous a donné la vie. Et il nous a donné cette vie-là en abondance. Ce qu'on appelle la vie éternelle. Dans le mot grec, on utilise le terme Zoé. Zoé qui est la vie éternelle, la vie de Dieu. Et c'est cette vie-là que Jésus-Christ nous a amenée. C'est cette vie-là que Jésus-Christ nous a donnée. En cela, nous devons savoir que si quelqu'un est devenu chrétien, il n'a plus la même vie qu'il avait avant. Maintenant, sa vie a changé. Il a maintenant la vie du royaume de Dieu. Il a maintenant la vie éternelle. Car Jésus-Christ a dit que non, moi je suis venu afin que les brebis, mes brebis aient la vie, qu'elles puissent avoir la vie, et cette vie-là en abondance. Donc nous devons savoir qu'un chrétien, ce n'est pas simplement quelqu'un qui va à l'église. Parce que tout le monde va dans les églises. Ceux qui sont des chrétiens, même ceux qui ne sont pas, tout le monde va dans l'église, dans les églises. Donc, le fait d'appartenir à une église, cela ne veut pas dire que non, tu es chrétien. Non. Mais c'est bien d'être
d'appartenir, d'être membre d'une église, c'est très bien. Mais il faut devenir plutôt chrétien. Et pour devenir chrétien, il faut accepter Christ et Jésus dans ta vie. Il faut que cette vie-là, la vie de Christ, puisse entrer en toi. Il faut que tu puisses avoir la vie de Jésus-Christ. Et une fois que tu as cette vie-là, c'est là que non, ça va commencer à changer ton système de vie. Tu vas commencer à toi-même voir que tu n'es plus ce que tu étais avant, mais tu es devenu une autre personne. C'est pour ça que nous devons savoir que non, un chrétien, ce n'est plus que simplement quelqu'un qui va à l'église, mais c'est quelqu'un qui a la vie de Christ en lui. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui vit dans le modèle du royaume, dans le système du royaume. Un chrétien, c'est quelqu'un qui manifeste sur cette planète, qui manifeste la présence de Dieu, qui fonctionne en tant que citoyen céleste. C'est quelqu'un qui vit avec Christ en lui. C'est quelqu'un qui reconnaît que non, il a la vie de Jésus-Christ en lui. Il a la vie de Christ. Il sait que non, son corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et celui-là, c'est un chrétien. Donc, tu dois commencer par comprendre que non, comme tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, comme maintenant tu vas dans les églises, donc tu es devenu chrétien, automatiquement, le Saint-Esprit a commencé à fonctionner à travers toi. Car la Bible dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Donc c'est à travers toi que maintenant le Saint-Esprit commence à agir, commence à faire des choses, commence à guérir les gens à travers ta vie, à travers tes mains, à travers les paroles qui sortent de ta bouche. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, nous devons toujours contrôler tout ce qui sort de nous, ou tout ce que nous pouvons faire dans ce monde. Nous devons contrôler notre système de vie, notre mode de vie. En sachant toujours que nous sommes les représentants de Dieu sur cette planète. C'est pour cela que Paul dit que non, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et les dons de la justice régneront dans la vie. Alors pour régner dans cette vie, dans le Romains chapitre 5, verset 17, Paul dit que nous devons régner dans ce monde. Et pour régner, nous devons être en Christ. Quand nous sommes en Christ Jésus, c'est là que nous commençons à régner sur cette planète. Et la Bible nous dit aussi que nous devons nous approcher toujours de la trône de grâce avec assurance. Quand on s'approche de Dieu, nous devons avoir toujours l'assurance que nous sommes ses enfants. Nous sommes les membres de son corps, de ce qu'on appelle le corps de Christ. Nous sommes l'Église. Car l'Église, ce n'est pas les bâtiments, mais c'est nous. C'est nous, les personnes qui ont accepté Jésus-Christ de leur vie. Les personnes qui proclament que Jésus-Christ est Seigneur de leur vie. Et c'est ça qu'on appelle l'Église. Donc, nous devons savoir que non, Jacques il a dit aussi que non, il accorde une grâce plus excellente. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 6, il accorde une grâce plus excellente. Plus excellente. Donc quand tu es né de Dieu, tu es né de nouveau, tu dois savoir que non, tu es né de la présence de Dieu. Et quand nous sommes nés de la présence de Dieu, nous sommes nés en Dieu lui-même. Et quand nous recevons l'Esprit de Dieu, nous devons savoir que nous avons reçu lui-même Dieu dans nos vies. Donc nous sommes devenus un avec lui. Et si nous sommes devenus un avec lui, donc nous devons savoir aussi que non, c'est comme Christ a la vie, comme Dieu a la vie, le Père a la vie, c'est de la même manière que le Fils aussi a la vie, et cette vie-là, c'est la même vie qu'on nous a donnée. Christ nous a donné cette vie-là en abondance, la vie éternelle. Et la Bible nous dit aussi que non, celui qui s'attache avec le Seigneur, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Quand tu t'attaches à Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, quand tu t'attaches à Dieu, tu es devenu un avec lui. Donc c'est pour cela, mon frère et ma soeur, en tant que chrétien, je te conseille de fonctionner toujours en tant que citoyen céleste. De comprendre que non, tu es un représentant de Dieu sur cette planète. De comprendre que non, c'est toi qui manifestes la grâce de Dieu, c'est toi qui manifestes la puissance de Dieu. C'est toi qui transportes la gloire de Dieu dans ta vie. Donc tout ce que toi tu touches sera béni. Parce qu'en toi, il y a la présence de Dieu. Tu as la vie de Christ en toi. Donc tu dois régner dans ce monde. Nous devons savoir que nous sommes aussi un pour bénir.
Nous sommes points pour changer les vies. Pour changer les vies de beaucoup de personnes sur cette planète. C'est pour cela que Dieu nous a bénis. Dieu nous a oint par son esprit. Et nous transportons en nous cette gloire, la gloire de Dieu. Nous sommes les membres de son corps. Donc nous sommes dans ce monde pour régner parce que nous avons la vie de Christ en nous, nous avons la vie de Dieu en nous. Donc quand tu es chrétien, ce n'est pas à te lamenter, ce n'est pas à fonctionner comme n'importe qui, car tu n'es plus ordinaire. Tu es devenu citoyen du royaume de Dieu. Tu es devenu membre du corps de Christ. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Nous sommes toujours ensemble dans l'école du Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit, nous sommes là pour communiquer la pensée de Dieu, la pensée de Christ. Car la Bible dit que nous avons en nous la pensée de Dieu. Nous travaillons avec lui. Nous sommes ses ouvriers. Et la Bible dit aussi que nous sommes ses ouvrages. Il nous a créés en Christ afin que nous puissions commencer à pratiquer, à faire des choses que Dieu a préparées à l'avance pour que nous puissions les pratiquer. Nous puissions commencer à faire ou à mettre en pratique les plans merveilleux que Dieu avait déjà planifiés depuis l'éternité. C'est pour ça que nous sommes un nouveau type de personnes. Nous sommes différents de ceux qui sont sortis d'Adam. Car nous sommes nés en Christ. Nous sommes sortis de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes un avec Christ et Jésus. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Que Dieu nous bénisse. Continuez toujours à suivre nos exhortations sur Chino TV. Et que Dieu vous bénisse. Que l'Église, que les saints disent Amen. Sanzolama.